Bonjour à tous, c'est Fabien, j'espère que tout est bien. On se retrouve pour une vidéo sur WWE pour une review du tiers cataclysme. Oui, c'est une idée. Oui, on est cataclysme depuis je cataclysme depuis mercredi soir. Donc voilà. Donc RTS Undertaker en Agatement avec Brian Corbin en cataclysme normal. Donc voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire. Bah, je trouve mes cartes. Mes cartes. Première carte, Teclis, Brock Lesnar. Je ne vais pas gagner LP. J'ai Uso, je joue en freebie. J'ai Patin Royce dans un pack Rocket. Otis, Cataclysme. Un pack va s'intégrer. Donc, on va faire le RTG tout de suite. Comme ça. Hop. Bon, je peux vraiment toutes les gammes parce que sinon ça va faire un plomb. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de SmackDown Hotel pour voir toutes les cartes du niveau cataclysme. Parce que bon, je vais tout vous montrer. Il y a déjà au moins 2-3 fois que j'ai fait une vidéo sur 2-3 fois que j'ai eu corne. Et voilà, bon ouais, ça plante. Hein. Je peux rien, donc je vais pas refaire la même chose à chaque fois, donc il faut changer un peu. Hein. Faut changer, hop. Allez, on va mettre. Je m'en fiche, tac. 0, allez, hop. Un commun. Faut aller de l'avant. Hop, parfait. Alors, tac, l'image, bon, on va sans, vous avez le magicien en plus. Igor et l'AS. En plus, on a des images en RTG, donc pas besoin de le montrer en RTG ou autre part, de toute façon. Vous avez l'image ici, de toute façon. Il y a des Ali et il y a des New Yorkens. Et on colle. C'est parfait. Je pense que j'ai gagné, hein. Attention, ouais, bon. Pas que les snares. Donc vous avez des mises en plus, c'est un tiré, il y en a maintenant. Roman Reigns. Vous avez déjà vu, voilà. On va expliquer que vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo. Ouais, simplement. Ah bon, j'ai pu y avoir un vitamine, c'est cool. Alors, tac. Donc, on va ouvrir le pack à 25 tickets. Aujourd'hui. Ah, j'ai plus gagné une image sur ma chaîne. C'est vrai ça. On va faire ça tout de suite, hein. On va faire ça tout de suite. Gagner une image sauvage. On va faire ça tout de suite. Comme ça, c'est déjà fait. Hop. Alors, wide. On y va. Ah ouais, j'ai oublié, on m'a dit chez Yusso. J'ai envie juste après. Il y a aussi Benny Murphy parce que bon, il est déjà maxé. On joue en lui aussi. Il va être Mark Andrews et Otis.
Ok, alors du coup, tac. Alors, Liuso, on va switcher avec Otis. Et Ben Murphy, donc toi t'es Max, ouais, t'es Max, ok. On va changer avec l'ambassade 35 Fusion que j'ai eu récemment, c'était. Ah, Mark and Rose, c'est parfait. Donc, notre adversaire c'est match Mark and Rose. Écoute, toi on va t'enlever, on va t'en mettre endurci. Reza, hop, toi on va mettre Ekam. Ouais. Donc, nous sommes bientôt full, bientôt full, bientôt prêt, bientôt prête pour être pro. Tony Storm. Donc, je commencer encore un petit peu en raid. Bon, après, je voudrais faire aussi en mode war, hein, mais bon. Faut pas. Allez, hop. Il est parfait. Ah, comme par hasard. Cette activation c'est cool. Je gagne normalement, ouais. Très bien. Nice. Oh, c'est cool ça. J'ai deux resets. Deux resets. C'est cool. Moi, j'espère que le pack 27 qui me portera chance en obtenant ma cinquième cataclysme, ce serait cool ça. Mais bon, on verra ça. On verra, on verra, on verra. Hop. Au moins, je gagne. Mark Andrews. Parfait. Et revenir. On va finir par la caractère, tant pis. Bon, c'est gagné, c'est parfait. Donc ça, ce défi, il est bon. Donc on a encore un défi à faire. Hop. Défi du... 5 chevaliers d'affilée. Bah oui, on le pack, hein, c'est indiqué. Oui. Mais je sens que c'est un bon pack. Je sens que c'est un bon pack, je vois pourquoi. Otis. Dommage, tant pis. Moi, je gagne. Facilement, je gagne. Ouais, parfait. J'ai eu peur, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais j'ai gagné. Pas mal, pas mal, pas mal. On continue dans les matchs sauvages. Hein. Tac, on y va. On va pas faire une longue vidéo, malheureusement, parce que bon, sinon, c'est vrai. Sinon, ça risque de se couper comme pas comme d'habitude, mais bon. Bon, au pire, si vous voulez voir toutes les cartes du mode du niveau cataclysme, vous allez voir sur SmackDown Hotel. Tout y est normalement, tout y est. Tout y est. Toutes les cartes de son ancien hôtel, donc si vous voyez voir les images, bah, c'est là-bas. Sur le site de SmackDown Hotel. Tout simplement, voilà, c'est fait. C'est cool. On va ouvrir le pack en 25 tickets. Ouais! Attention qu'ils soient. Au moment où on commence le défi, c'est parti!
ni en cataclysme, ni en mode 75, non, en mode 75, attention. S'il vous plaît, donnez-moi du lourd, donnez-moi du lourd. S'il vous plaît. Oh bah, s'amuser, bon, c'est déjà en pro, j'ai déjà en pro, s'amuser. Et Bretard, bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Oui, je suis quand même déjà seul, mais 135, c'est misé que j'ai déjà en pro. Bon. Pas trop comment faire de ces misaines, moi. Hein. Bon, peut-être je vais conserver. Moi, je vais conserver ces misaines. Pourquoi pas? Parce que ce qu'on appelle pour de futur VSA 35 Pro. Donc, je pense que je fais un abaisse pour Semizen. Hop. Unlocker Semizen au cas où. Retard. Voilà. Puis c'est tout. Donc voilà, ça fait cette vidéo sur WS Poker. On aura fait que ça, malheureusement. Donc voilà. On... Ah oui, en plus, j'ai pas vu le design de la carte même. Donc ça ressemble à ça en fait. Ouais, c'est comme ça, carte de Undertaker. Bon, là, on va s'arrêter pour cette vidéo sur 2010x15, cette vidéo-là. Vous aurez plus, dites-moi, mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, et vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite à tous passer une très bonne journée, et à la prochaine!